Je t'attrape, je te prends à un pot. Let's see what's happening. Merci d'avoir acheté chez moi. À bientôt. Revenez me voir si vous changez d'avis. Ah, vous voilà. Pour prendre le contrôle de Whitechapel, il faut éliminer le chef du quartier. Kellogg a exigé que vous régliez votre différend par un combat entre bandes. Tant pis pour lui. Tenez, je suis certain que ça vous sera plus utile qu'à moi. Oh, eh bien, Greeny, c'est le Noël des assassins? Hmm.
Appelez vos alliés. Monsieur Rexford Kellogg a accepté vos conditions et vous attend à la gare de Whitechapel. Il a parié son train sur ce combat. Où es-tu, Kellogg? Ceci te fera peut-être sortir de ton trou. Rooks! Aux armes! Ça a l'air d'être cassé. Oh, au moins on a un train. Ne nous plaignons pas. Kellogg est mort. Whitechapel n'est plus aux mains des Blighters. C'est le moment de venir grossir nos rangs. Tous ceux qui s'opposent à Starik et à ses sbires seront les bienvenus. Bienvenue chez les Rooks. Ah, la crapule! Je préférerais encore me jeter sous le train que de continuer à faire rouler Bertha pour ce fumier. Kellogg? Il a quitté la gare. Eh ben, qu'il est mignon, celui-là! Vous êtes qui? Je suis Evie Fry, mon frère Jacob Fry. Enchanté. Moi, c'est Agnès McBean. Un plaisir. Moi qui croyais que j'allais monter en grade. Bon, ben, me v'là sans travail. Venez travailler pour nous. Je vous vois venir, tous les deux. Vous allez me payer des clopinettes. Oh, je suis sûr qu'on pourra arranger ça. Ah! Dans ce cas, je vous présente Agnès et Bertha.
La dame et la locomotive. Tout à votre service. Je serai dans la voiture voisine. Un repère sur rail. En voilà une excellente idée. Oui, ce sera très pratique pour nous. Bon, j'aimerais que nous cherchions la piste de... Jacob, sois sérieux. Je ne ferai rien tant que ceci ne sera pas réparé. Je pense connaître quelqu'un qui pourrait s'en charger. Tu ne me déçois jamais, Grigny. Avec un peu d'argent, on peut réaliser de grandes choses dans cette ville. Vous en feriez du bien si vous aviez les poches pleines. Vous voulez remettre Londres à l'endroit? En voilà l'occasion. Cette carte indique qui aller voir. De vieux amis, en quelque sorte. Donnez-leur un peu de cet argent et ça nous évitera peut-être de vous retrouver au cimetière sans avoir le temps d'y rouler. Je reste à votre service. Bonne journée à vous.
Ah, bon sang. Alec, tu sembles préoccupé. Je n'ai réussi à intercepter que de la ridicule et mauvaise réclame pour un obscur sirop à effet calmant. Le ciel m'en est témoin, Henry. Si le monopole de Starik demeure... Alec, je veux te présenter. Voici mes amis. Evie Fry et son frère Jacob. Oh, Alexander Graham Bell. Linguiste, inventeur et expert en technique. Alec, j'ai un service un peu étrange à te demander. Peux-tu réparer cela ? On dirait que le boîtier est fendu. Oh, ça se démonte. Ma foi, j'aurais pu utiliser ceci pour installer mes fusibles au sommet de Big Ben. Alec installe une nouvelle ligne télégraphique pour notre association de presse libre. Pour contrer la Starik Telegraph Company. Si je parviens à réparer les fusibles des lignes indépendantes de Big Ben, Starik en sera affaibli. Mais nous sommes un peu diminués. Et voilà. J'ai retiré le mécanisme afin qu'il puisse s'adapter à votre brassard. Je vais m'en servir immédiatement. Attends, Jacob. Monsieur Bell, j'aimerais vous aider à placer ces fusibles. Oh, je n'aurais pas l'orgueil de refuser, Miss Fry. Eh bien, nous prendrons ma voiture, si vous aviez la bonté de la conduire. Passe-moi ça. Laissez-moi vous aider. Miss Fry, je vous suis reconnaissant de votre aide. Mais vous devriez déjà être arrivé. J'espère que vous avez l'intention de partir aujourd'hui. Si elle ne trouve pas son chemin jusqu'ici, comment compte-t-elle réparer ses fusibles ?
Me voilà confus, j'aurais dû lui donner une boussole. Dites-moi, Monsieur Bell, à quelles inventions travaillez-vous ? Je compte mettre au point un télégraphe phonétique qui ne se limite pas à des traits et à des points, mais qui sera capable d'acheminer la voix humaine. Un télégraphe phonétique ? C'est un peu long comme nom. Si vous appeliez ça téléphone. Téléphone ? Quel nom étrange. Quoi qu'il en soit, comme je le disais, la presse dépend désormais intégralement de la Starek Telegraph Company. Oui. C'est pour cela que Monsieur Green vous a demandé de poser une autre ligne. Oui. Qui plus est, d'autres compagnies indépendantes ont vu leur ligne sabotée. Et il leur est difficile de trouver les fusibles endommagés qui sont... Qui sont tout en haut de Big Ben. Exact. D'autant plus qu'il faut un laissez-passer spécial pour franchir les gardes. Ce ne sera pas un obstacle. Je vais réparer ces fusibles. C'est fait.